Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour ce premier tuto ou du moins cette première étape du nouveau raid, le Jardin du Salut, où on va parler de l'ouverture du raid et de la fameuse étape où vous allez devoir suivre le signal d'un artefact inconnu. Donc c'est parti, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes entré dans le raid et que vous cherchez à percer les mystères de la première étape. Vous allez vite vous en rendre compte, celle-ci est parmi l'une des plus simples. Dans le principe, il faudra scinder votre groupe en deux. L'un des groupes s'occupera du boss et l'autre ouvrira les portes pour progresser dans l'étape. Dans l'idée, il faudra juste comprendre que chaque groupe jouera l'un des deux postes à tour de rôle. Ici, pensez équipe et non individuel et vous passerez l'étape haut la main. Allez, c'est parti! Toute l'équipe commence par tirer sur le cube qui apparaît dans la zone. Lorsqu'un joueur s'en approche, cela crée un lien qu'il va falloir étirer jusqu'au seau qui se trouve sur la porte pour ouvrir cette dernière. Une fois ceci fait, le premier groupe, composé des joueurs A, B et C, peut alors progresser dans la zone 2, tandis que le second groupe, composé des joueurs D, E et F, reste alors au spawn. Ce deuxième groupe, qui reste au spawn, va tout simplement devoir surveiller le boss. En plus d'éliminer les différents ennemis qui vont apparaître en même temps, le boss va lâcher une charge de débordement voltaïque au sol, qui, si elle n'est pas interceptée dans les secondes qui suivent, fera alors mourir toute l'équipe d'un seul coup. Notez bien que cet item, cette charge, donnera également un malus au joueur qui ira la récupérer. Ce malus, du nom de débordement voltaïque, durera au total 2 minutes 30 durant lesquelles vous ne pourrez plus reprendre de charge à nouveau. Le premier groupe, quant à lui, progresse. Vous allez immédiatement rencontrer un cyclope. Prenez garde car lorsque vous éliminerez ce cyclope, il apparaîtra alors dans la zone où se trouve le deuxième groupe. Et il en sera systématiquement de même pour tout le reste de l'étape. En clair, à chaque fois qu'un groupe élimine un cyclope, l'autre groupe le récupère. Alors revenons au groupe numéro 1 qui progresse dans le raid. Concrètement, il faudra cleaner la zone tout en avançant. Attribuez par exemple une personne chargée de s'occuper des snipers à distance, une autre personne chargée de faire le ménage en proximité, et enfin une dernière qui s'occupe d'étourdir les champions surchargés. Entre parenthèses, attaquer ces champions ensemble une fois étourdis ou lâchez-leur une bonne roquette de faucheuse. Ensuite, ce même groupe numéro 1 poursuit et avance jusqu'à rencontrer une seconde porte. Après avoir éliminé l'angélique qui va apparaître, un carré sera accessible et vous pourrez recréer à nouveau un lien pour ouvrir la porte de la même manière que précédemment. Attention là encore car une fois le lien créé, le boss disparaît de la zone 1 et vous rejoint dans cette zone que nous appellerons zone 2. Le groupe 2, resté en zone 1, peut alors quitter sa zone et se rendre directement en zone 3, là où ils seront chargés de réaliser, vous l'aurez compris, strictement la même chose que ce que le groupe 1 vient de réaliser en zone 2, à savoir cleaner et ouvrir une porte. Et pendant ce temps-là, à l'inverse, le groupe 1, qui est en zone 2, devra réaliser à son tour ce que faisait le groupe 2 en zone 1, c'est-à-dire strictement la même chose, cleaner et ramasser la charge que lâchera le boss. Vous l'aurez compris, il va falloir répéter ce relais, cette opération, 4 fois au total, à chaque fois dans une zone différente et à chaque fois en alternant les groupes. Et n'oubliez pas, je le rappelle, les angéliques qui apparaissent juste avant l'ouverture de porte, les surchargés et le fait que tuer un cyclope le fait apparaître dans l'autre zone. N'oubliez pas également les failles de soins de l'arcaniste et la bulle du titan qui vous seront très utiles. Si tout cela s'est correctement déroulé, une fois au pied de la dernière porte et une fois l'angélique et le dernier surchargé éliminés, vous aurez alors 4 seaux à ouvrir, là encore, en créant des liens. Notez bien ce tips très important, n'ouvrez pas le dernier seau. Déjà parce qu'il s'ouvrira de lui-même au bout d'un certain temps, c'est donc inutile. Mais aussi, surtout, parce que cela va vous laisser un petit délai, le temps de récupérer vos capacités, votre super, vos munitions, et pourquoi pas votre souffle et votre esprit, car ce qui vous attend par la suite peut être considéré comme le run de la mort. Vous allez devoir traverser un champ où une armée de cyclopes vous attendent de pied ferme, et bien évidemment tout ceci en récupérant encore et toujours la charge que lâchera le boss bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle.
Ici, deux options s'offrent à vous. La méthode soft, vous clinez progressivement, vous ramassez la charge et vous avancez lentement mais sûrement. Ou la méthode bourrin, vous rushez comme des malades en jetant un par un vos alliés sur la charge. Ils mourront, vous ne les réanimerez pas, mais vous pourrez ainsi espérer qu'au moins le dernier membre de votre escouade atteigne l'autre bout du parcours plus facilement et plus rapidement. Bien sûr, une technique à mettre de côté pour toute tentative de flawless. Dernier tips, la zone sur la gauche semble un peu plus safe avec plus de blocs pour vous mettre à couvert, mais bien évidemment le boss lui préférera se cacher à droite parmi ses copains cyclopes. Voilà pour la fin du tuto de cette première étape. Si vous avez aimé, s'il vous a aidé, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu en témoignage de votre soutien. Et je vous retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Ciao tout le monde !